Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma mère, Jocelyne, que vous avez déjà vue, et de Dita, qui est chiant là en ce moment. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au festival de photos à la Gacilly. Il y a un an, j'ai déjà fait une vidéo sur les photos, mais voilà, ça change tous les ans. Et donc, on y retourne pour ce festival. Voilà, c'est un festival tous les ans, entre juillet et septembre, c'est ça ? Juillet et septembre, il y a le festival de photos à la Gacilly. En plus de ça, cette ville est magnifique, vraiment un truc, une ville médiévale, donc voilà, avec plein d'artisans autour. Ouais, voilà, par contre, il fait chaud avec le masque. Ah, et en plus de ça, il fait beau en Bretagne. On n'est pas obligé d'avoir le masque. Non, on n'est pas obligé d'avoir le masque. Hein. Il y en a qui n'ont pas. Hein. Regardez ces magnifiques photos derrière qui fait presque toute la tout le bâtiment. En plus il fait beau, c'est vrai, il fait très très beau même. Et avant il y avait l'année dernière, il y avait pas un truc pour franchement c'est magnifique cette ville avec toutes ces photos. Par contre, tiens, donc je vais vite. Vraiment magnifique. Vous vous rappelez, il y a un an, j'avais pas cette caméra, j'avais l'autre caméra. Donc, moi, je trouve que ça donne beaucoup mieux avec cette nouvelle caméra, avec les couleurs et tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé quand même de revenir dans ces villes que j'ai déjà fait visiter sur YouTube. Et franchement, ça donne trop bien avec cette caméra. Donc voilà, je suis trop content de refilmer ça. Et franchement, c'est une très 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 belle ville. Je répète vraiment, mais c'est une très belle ville. Et tous les ans, venez ici. Il y a les photos et il y a des très très belles photos. Pour ceux qui adorent la photo, ben venez. Et regardez, c'est magnifique, même c'est fleuri, cette ville est fleurie. Par contre, vous devez entendre vachement l'eau, la cascade qui est juste là, évidemment. On passe le pont. Allez. En tout cas, c'est super sympa. Regardez, on est assis. Allez, laisse passer. Vas-y, laisse passer, on est assis et regardez, juste derrière, il y a la cascade. J'espère que vous m'entendez avec cette cascade. Et regardez, le pont est fleuri, toute la ville est fleurie, c'est une ville fleurie. Et franchement, c'est super beau comme ça. C'est comme la Roche-Bernard et tout ça. C'est vraiment des villes à aller voir.
Et c'est sympa quoi. Voilà. Hein, là, qu'est-ce qu'on pense par le train, là c'est bien fleuri, les fleurs sont magnifiques. Et le temps il s'apprête aussi. Hein. Voilà. Et le temps, regardez, il fait très beau. Qui est censé normalement pleuvoir. Hein. Je vais pas dire, mais voilà. Donc on va continuer avec ces petites fleurs. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on arrive dans là où ils exposent toutes les photos. On est dans un petit parc dans Agassilly. Regardez, c'est magnifique. Et c'est là où ils exposent toutes les photos. Il y a des photos aussi en ville, hein, comme vous avez vu, mais ils exposent toutes les photos ici, dans le petit parc. Voilà. Allez. J'adore cette photo avec la femme en pleine forêt et justement le métro. Franchement, elle est trop trop belle. Les effets de la lumière aussi. Les effets de la lumière dans la forêt. Franchement, c'est une super belle photo. Faudra noter ma chaîne YouTube par là. Voilà. Vous voyez là, c'est pas la même que l'année dernière. Pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière pour le festival de photos, avant il y avait des places partout de photos. Là, ils ont mis en ligne. Pour ceux qui ont suivi hein, vraiment mes vidéos, et vous voyez là, c'est que des photos en noir et blanc. Ouais, c'est bien. On dirait la Mongolie, ça. Et vous voyez, il y a des photos de tous les pays, des photos de l'époque. Franchement, c'est grave sympa comme photo. Regardez, celle-là, dans la ville, avec le chien qui s'étire. Franchement, c'est pas mal. La Russie, regardez, la Russie, avec, je pense, de l'époque, avec le gamin là et le chien. Et en plus de ça, tout est marqué ici. Et franchement, c'est sympa avec le chien. Là, hey, t'imagines, là, il tac dans ces photos-là. Franchement. C'est vraiment magnifique comme photo. Vraiment magnifique. Et 1992. Et là, c'est toujours là aussi. Oui. Et franchement, regarde, magnifique. Magnifique ces photos. Dans la neige. Voilà, regardez ça, celle-là, la moto avec le chien sur la moto, franchement elle est très très belle cette photo. Moi j'adore le festival. Ça, le festival. La mer blanche de Russie. C'est la mer blanche de Russie, ok, la mer blanche de Russie. Ces photos datent de 1992. La Finlande. Franchement magnifique, non? Avec le bateau, on voit pas très bien, je pense, les bateaux là. Finlande 2016. Finlande 2016. Ah, le Népal, ça, j'adore le Népal. Évidemment, hein, l'Asie, voilà. Le Népal avec le singe. Franchement, c'est sympa. Et l'Inde, il y a l'Inde. 1999. Une photo de 1999. Franchement, c'est magnifique.
On a trouvé les cousins de Itak. C'est les photos. Franchement, tu vois, là, je vois mon chien dans la photo, tu vois. Et donc, ils sont vraiment magnifiques. Les photos, regardez. Magnifico. Magnifique. 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 Tiens, regardez. Il y a tes cousins. Allez, je vais te filmer. Ce que j'aime bien là, ça fait pas mal de photos, on voit des huskies en photo et y a même une personne qui disait « Ah bah tiens, il est sorti de la photo justement mon chien. » Il y en a vraiment pas mal en fait des huskies et franchement là le chien je le vois carrément dans la photo, carrément, et oui. Hein, t'es sorti de la photo ? Donc ici, on est plutôt dans les photos asiatiques, donc tibétain, Chine et Bangladesh. Et franchement, ils sont magnifiques aussi ceux-là. Ça nous fait voyager. Franchement. Regardez celle-là. Magnifique. Évidemment, vous savez pourquoi ils sont souvent immergés d'eau, c'est qu'ils n'ont pas, comme nous, des trucs pour évacuer l'eau. Bon voilà, là on rentre pour aller à la voiture, on a fait un peu le tour, on n'a pas montré toutes les photos parce qu'il y en a tellement. Donc si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.